Cherche. Donc quel était l'exercice de ce vendredi avec les chiens? Alors l'exercice, le but de cet exercice, c'était de reproduire un séisme ou une explosion et de pouvoir localiser un certain nombre de victimes. Là, il y en avait 6, je crois, dans la province. Là, c'est Mao qu'on a vu passer, oui, le malinois. Oui, c'est mon chien Mao qui a 2 ans, qui n'est pas encore breveté, qui va aller à l'examen à la fin de l'année. Donc, l'exercice s'est plutôt bien passé. On avait parasité le site avec de la nourriture, il y avait des vêtements. Voilà, aujourd'hui, c'était assez particulier parce que c'était glissant. Donc, encore une difficulté supplémentaire au déplacement des chiens. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, l'exercice s'est bien passé. Et donc là, il y a eu un échange. Les Italiens sont venus toute la semaine. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, cet échange entre Italiens et Français? Il a apporté beaucoup de améliorations sur notre chien. Parce que c'est... les Français sur les chiens de décombre sont au top. Donc pour nous, c'était un échange gagnant. Et pour vous, Français, c'était peut-être les races? Vous me parliez de découverte de races de chiens grâce aux Italiens? Oui, on a découvert le Blue Down aussi, de par notre rencontre il y a quelques années. Un chien de piste qui est capable de faire des pistes avec des délais très très importants. Là, ils nous ont apporté aussi, ils ont un membre de leur association qui fait du chien de cadavre, donc qui nous permet aussi de voir comment nos chiens se comportent sur cette localisation de cadavres, justement, parce que ça, ces retours d'expérience, on peut les avoir que malheureusement sur intervention, donc c'est pas toujours facile. Donc là, ça nous permet de voir comment nos chiens vont marquer sur des cadavres, en fait.